Bonjour à tous. Alors, nous allons donc faire notre petite séance de débriefing sur le cours avec la mécanique des solides. Ouais. Alors, il faut quand même que je veille à ce qu'il n'y ait pas des retours intempestifs sur l'enregistrement, parce que sinon, ça va fermer. Ça va être un peu foireux. Alors normalement là, ça devrait fonctionner. Je devrais d'ailleurs, je vais prendre les écouteurs pour que ça marche mieux. Sinon, ça va déconner à mort. Pilou pilou. Donc voilà. Ouais. Voilà. Voilà. Ouais. Alors le problème, c'est qu'il y a des nœuds dans tous les sens dans ce truc-là. On essaye de faire ça proprement. Donc il y a le câble technologique, là, voilà, ça va marcher mieux parce que sinon ça déconne un peu. Ok, alors, vous voyez qu'aujourd'hui nous avons considéré des nouvelles choses. On va voir tout de suite si ça fonctionne. Ah ouais, là, le retour est mieux. Ça déconne vachement moins. Ouais, alors. Voilà, pilou pilou, ça va nettement mieux. On espère que ça fonctionne. Oula, je vais regarder. Ouais, ça a l'air d'aller. Nickel. Ouais, ça passe. Ok. Pilou pilou. Ouais, tout ça c'est bon. Alors, bonjour tous et tous. Nous sommes ici de nouveau réunis pour vous parler de mécanique. Et on va regarder la mécanique des corps solides. Alors, j'ai vu poser quelques petites questions sur le chat, sur les magnifiques podcasts que nous avons faits. Alors, vous avez remarqué tout de suite que c'est une émission sponsorisée par la communauté française de Belgique et la région wallonne. Et vous savez, la région wallonne, nous avons un être que nous apprécions particulièrement dans notre petite contrée, notre petite région reculée des Ardennes, le Namurois, la région du Hainaut, le Luxembourg, vous savez, cette verte contrée avec notre président bien-aimé, Elio. Et donc, Elio est là en direct avec vous pour répondre à vos questions, parce que nous avons évidemment fait une analyse spécifique avec des pandas. Et donc, la question, c'est. Oui, vous avez donc un panda. Et alors, le panda, malheureusement, il n'est pas ici. On a perdu le panda. Mais je vous rassure, on a quand même des petits trucs rigolos. Regardez là, pilou pilou, voilà. On a notre ami le castor. Et il y a une chose qui est importante, c'est que jusqu'à présent, on a considéré que l'ami le castor, c'était un point. Or, ce que vous observez tout de suite, c'est quand on considère un castor ou un panda, ça peut tourner. Comme ça. Tu vois, ça tourne. Et donc maintenant, on va avoir des objets qui tournent. Non seulement ils peuvent bouger, comme ça, mais en plus ils peuvent tourner. Et donc la question capitale pour laquelle j'ai invité mon ami Elio, c'est est-ce que les pirouettes des castors et les pirouettes, ah ouais, les pirouettes des pandas, ont-ils une influence sur la contamination actuelle? Ah, question critique. Donc évidemment, vous posez tous cette question. Vous allez regarder les podcasts pour avoir la réponse, pour savoir si la rotation de nos amis, le castor, ouais, en plus le castor, il a une queue comme ça, pilou, pilou, ouais, a une influence. Alors je vous ai toujours invité, comme d'habitude, vous savez, à poser des petites questions sur le chat pour savoir, vous voyez, si vous aviez des questions. Évidemment, c'est toujours la grande déception de l'enseignant, parce que malgré le fait que vous participiez de manière relativement modeste au cours en direct, mais quand même, quelques-uns sont là, on n'a quand même pas des tonnes de questions sur le chat. Et donc, on va quand même essayer de progresser étape par étape pour voir les questions que vous avez sur le chat. Alors, on a évidemment l'étudiante favorite. Ah oui, il y a toujours. Vous savez, dans les cours, il y a toujours des étudiantes comme ça qui posent des questions. Ah, oh, mais j'ai quand même quelques questions.
Bon, alors, dans les auditeurs, oui, concernant, existe-t-il comme ça, du style, la force qui tourne dans l'objet des aiguilles dans ce signe? Ah ouais, ça c'est une bonne question de David, ouais. Alors, on va quand même prendre à tout honneur notre candidate favorite, Laura, notre candidate favorite, ouais, ça c'est vraiment une étudiante qu'il faut noter. Elle va recevoir un bon point de la région wallonne. Oui, parce que vous savez que dans les mesures de stimulation de l'enseignement, on a décidé dans la région wallonne, et Lio va confirmer ça d'ici peu, que les étudiants qui participent activement sur Teams pour poser des questions auront droit à un bonus spécial. Vous vous souvenez les bonus spéciaux? Bon, alors, non seulement vous pouvez recevoir des coupons, mais maintenant vous pouvez recevoir même des dixièmes de points valorisables sur l'examen de votre choix. C'est en cours de négociation à la FSM avec Catherine pour que, quand vous posez une bonne question sur le chat de mécanique, vous recevez un dixième de point valorisable au cours d'Anatomie. Bon, elle n'est pas encore tout à fait convaincue, mais je l'ai invitée pour la prochaine séance et il n'est pas impossible qu'elle accepte de participer. Mais bon, ce n'est pas encore tout à fait clair. Vous savez, la doyenne de la FSM, c'est quelqu'un d'extrêmement sérieux. Bon, donc, j'avais une petite question. Ah, dans l'épisode 2. Ah ouais. Bon, on va passer étape par étape la révision du truc. Bon, d'abord, on va essayer, on va mettre rien que l'iPad pour que vous voyez le bazar comme ça. Donc, l'idée de base, c'est. Ouais, ça, on passe. C'est que jusqu'à présent, j'avais la mécanique du point. Et donc, dans la mécanique du point, vous voyez, le modèle, les équations que je considérais, c'était ces deux équations-là. L'équation de Newton et la conservation de l'énergie. La dérivée de l'énergie cinétique est égale à toute la puissance de toutes les forces. La puissance, la somme de la puissance de toutes les forces. Et donc, on avait réduit mon panda, mon castor, à un simple point. Et un point, comme c'est un point, le fait qu'il tourne et qu'il ne tourne pas, on ne le voit pas. Mais quand il y a un castor, et que vous avez une tête et un bas, le fait qu'il tourne, ça change. Et donc, je vous avais montré cet exemple-ci. Voyez, d'une plongeuse qui fait des pirouettes, on voudrait être capable de modéliser la pirouette. OK? Et donc, ici, je vous ai résumé un snapshot preview, la mécanique du point telle qu'on l'a vue jusqu'à présent, et la mécanique d'un corps solide, ça veut dire qu'il ne se déforme pas. Hein? Bon, en pratique, la vraie vie, les corps se déforment, mais ici, ils ne se déforment pas, mais ils peuvent tourner. Et donc, l'exemple que tu vois là, c'est un marteau qu'on a lancé. La trajectoire du centre de masse du marteau, c'est une parabole, mais le marteau tourne sur lui-même, autour de son centre de masse. Et ça, c'est ce que je voudrais modéliser. Et donc, il tourne avec une vitesse angulaire oméga. Et voyez, maintenant, il y aura une énergie cinétique due au mouvement global du centre de masse, qu'on appelle souvent énergie de translation, de manière un peu abusive, et une énergie liée au fait qu'il tourne autour de son centre de masse. Et le faire tourner, ça requiert de l'énergie. Faire des pirouettes, ça requiert de l'énergie. C'est pour ça que le panda, il doit manger plein de bambou pour faire ses pirouettes. Et voyez que pour faire tourner le bambou, il faut, non, pas le bambou, le panda, il faut appliquer des moments de force. C'est-à-dire, il faut appliquer une force avec un bras de levier. Bon, donc ça, c'est mes équations. Là, ça, c'est relativement facile. Quand vous avez un corps, c'est un assemblage de petits points qu'on met ensemble dans un gros paquet. Et ça me donne une grosse masse équivalente où on a mis toutes les petites masses ensemble. Ça, c'est la mécanique du point. Donc, vous voyez, ici, j'ai un carré avec plein de petits points partout. Et je remplace tous mes petits points partout par un gros point. Ça, c'est la mécanique du point. Ouh, piece of cake. Alors, ici, j'ai fait un petit exemple. Bon, il n'y a pas trop de questions sur le petit exemple. C'est, j'ai deux points et je les remplace par un point équivalent. Et donc, vous voyez, je mets toute la masse sur le gros point bleu.
Et le gros point bleu, je le mets plutôt près du point le plus gros. C'est relativement logique. Ok? Yop! Il me semble qu'il y a un petit étudiant qui a mis son micro. On va vérifier ça tout de suite. Bon, là, ça va mieux. Ok! Bon! Donc, jusqu'à présent, vous êtes ok. Alors, on a après un cours un peu plus intéressant. Et vous allez voir, c'est ce que vous allez commencer à faire au prochain cours quand on fait de la biomécanique. On va prendre le corps d'un être humain et on va le couper en petits morceaux. Ouais, virtuellement, hein. On va pas prendre une scie et commencer à le couper en petits morceaux, hein. Quoique, on peut sait jamais. Hein. Donc, on le sait pas. Et là, vous voyez, j'ai divisé mon athlète en une partie qui est le tronc plus la tête, les jambes et le bras. Et évidemment, l'idée de base, c'est on va remplacer ces trois sous-parties d'un être humain par un seul gros point, le point M. Et voyez, c'est ce que j'avais fait. On sait approximativement, en faisant des mesures sur des êtres standards, que le tronc plus la tête, ça fait plus ou moins 60% de la masse corporelle d'un être humain adulte. Les jambes, vous savez, avec les cuisses et tout ça, hein, les jambes bono, ça fait plus ou moins 30%. Et les bras, ça fait un peu moins. Okay? Alors, vous voyez tout de suite que quand vous bougez les bras et les jambes, vous pouvez changer la position du centre de masse. Et le centre de masse, il est obtenu comme une position moyenne pondérée, donc par rapport aux masses, aux sous-masses de chaque objet, des particules. Pour avoir la vitesse du centre de masse, c'est aussi une moyenne pondérée. Voyez, ça c'est piece of cake. Bon, alors après, on arrive où ça devient un peu plus compliqué. Voyez, j'ai pris un cylindre là. Ouais, on va arriver tout de suite au truc plus compliqué. Un cylindre là, voilà. Tu vois le cylindre. Et j'ai pris, tu vois, un disque, un cercle, un rond. Et je le fais tourner. Alors, voyez, je le fais tourner et je me mets sur un point. Voyez, si je me mets, allez, on va refaire ça doucement à notre aise parce que c'est le truc un peu compliqué dans ce qu'on a fait. Donc si, pélo, on va faire une nouvelle page là. Regarde, hein, ça c'est pour Laura. Pélo, Laura, tu m'écoutes? Yubidou, on va faire un rond. Voilà. Donc on a un point qui fait une trajectoire circulaire quelconque. Donc ici, pélo, j'ai un point qui fait une trajectoire circulaire. Donc qui tourne comme ça, avec une vitesse angulaire oméga. Ok? Donc j'ai le trou qui tourne avec une vitesse angulaire oméga. Ouais. Là. Ouais. Alors il y a encore, je constate, un petit étudiant qui a dû laisser son micro. Ouais, vous me faites éviter de me mettre un petit micro qui me perturbe le son là. C'est bien. Alors, youpidou, notre amie Laura. Alors, tu me demandes pourquoi est-ce qu'on peut écrire que la vitesse est égale. Eh oui, regarde. Tu prends une particule quelconque. Donc, on va l'appeler la particule avec une masse MI. Ok? C'est un point quelconque. Un petit point du cylindre, mais n'importe lequel. Et sa distance par rapport au centre de rotation, c'est RI. Okay? C'est la longueur. Et donc, sa vitesse, comme ceci, la longueur de ce vecteur, c'est VI, est égale à RI oméga. Ça va? Alors, Laura, est-ce que tu es là? On va passer la parole à Laura. Laura, es-tu là? Bonjour, Laura, comment vas-tu? Ah, ouais. Alors, j'ai une petite question pour toi, Laura. C'est quoi les unités de VI? Ah, ça, c'est bien, ça. Et de oméga I, c'est quoi les unités? W,
Ouais, ah, c'est pas W, c'est Oméga. Ça, c'est. Ah, ouais, c'est Oméga, c'est une lettre grecque, c'est pour perturber. Ah, c'est grec, ouais. Les mathématiciens, ils aiment bien. C'est Oméga, ouais. Et Oméga, pilou pilou, c'est quoi ces unités? C'est une vitesse angulaire. Donc. Ouais, c'est des radians, ou des degrés, ou ça dépend l'unité donc que tu as choisi. Mais c'est ça, c'est des radians par seconde. Ok? Alors, les radians. En fait, tant qu'on en est là, vous savez, les angles, c'est pas une quantité physique, c'est un rapport. Quand tu dis qu'un angle c'est 2π, ça veut dire que c'est une fois le tour complet. Quand tu dis que c'est 360 degrés, tu dis que c'est une fois le tour complet. En fait, un angle, c'est toujours un rapport entre un certain parcours et le tour complet. Quand tu dis que c'est 90 degrés, c'est un quart de tour complet. Quand tu dis que 180 degrés. Donc en fait, c'est pour ça que si vous regardez bien, un angle, c'est pas une dimension physique. Parce que quand on a une longueur, on compare ça par rapport à un mètre. Hein, quand on a un poids, on compare la masse. Hein, une masse, on compare ça par rapport à une masse de référence, qui est un kilo de référence. Alors le mètre, on le sait. Mais l'angle, c'est un rapport. Mais par contre, de manière un peu bizarre, ce rapport, on peut l'exprimer soit en disant. C'est simplement un chiffre. Par exemple, 1 quand on fait le tour complet, 1,5 quand on ferait un demi-tour. Mais on aime bien représenter ça parfois par des pourcentages, par des degrés ou par le nombre pi. Ok? Donc, vous voyez, c'est un peu particulier, mais c'est ça. Donc, tu vois, alors, ce qu'il faut bien noter, c'est que si je prends une autre particule qui fait un rond, qui tourne ici, comme ça. Tu vois là. Bon, le cercle n'est pas canon. Mais la vitesse ici, ça va être maintenant un petit r comme ça. Et donc la vitesse, elle sera beaucoup plus petite. Ok? Tu vois ça, Laura? Donc tu vois, le rayon dépend. Ça va? Et donc, quand je reviens au slide précédent, ça veut dire qu'à chaque particule, la vitesse est différente. Ça veut dire que si je mets une particule qui est ici, là, la vitesse maintenant, elle sera comme ça. OK? Donc plus tu es sûr, proche de la frontière, plus ton rayon RI est grand, plus la vitesse tangentielle est grande. Et quand tu es avec un RI qui vaut 0, la vitesse, elle vaut 0. Piece of cake. Voyez ça? Ok? Alors, on a une question. Oui, est-ce que j'ai d'autres questions sur le chat? David, une petite question. Ah, je n'ai pas compris la différence entre le. Ah, Grégoire! Grégoire a une question. Sigma, que l'on pouvait déduire avec cela entre le i et du disque. Grégoire, es-tu là? Monsieur Grégoire, dit tyran. Est-ce que tu es là, Grégoire? La parole est à toi. Ouais, mais faut mettre ton micro, gamin, pour qu'on t'entende. Oh, Grégoire! On t'entend. Alors, qu'est-ce que tu n'aimes pas très bien, même au du moment d'inertie? Alors, regarde. Ouais. Alors ça, d'une certaine manière, regarde bien comment on fait. Tu supposes que tu as une certaine masse. OK? Un certain nombre de poids. Soit, tu la mets uniquement sur la frontière. OK? Soit, tu la répartis uniformément sur toute la surface. Bon, on va faire un exemple lent et lent et lent. Pour que tu comprennes bien. Parce que, évidemment, là, j'étais un peu fast. Parce que, fondamentalement. Donc, tu supposes que tu as, par exemple, une masse totale de 4 kilos. Allez, on va faire un petit dessin pour que tu vois ça une fois. Page. Voilà. Donc, j'ai une masse totale identique. Donc, on va dessiner un cercle, pilou pilou, comme ça. OK? Et on va le faire deux fois.
Donc, c'est-à-dire que je prends mon cercle là, je le copie, voilà, je le duplique, et là, ok? Grégoire, jusque-là, t'es d'accord? J'ai deux cercles. Ça va, Grégoire? Oul? Ouais, ouais. T'habites où, Grégoire? Ouh! Mais t'es un voisin de mon ami Elio, alors? Un petit peu. Ouais. Bon, alors, l'idée de base, c'est que tu as une même masse. Donc, tu supposes que tu as, par exemple, on va supposer M, la masse totale que tu veux mettre, c'est 10 kilos. Okay. Donc, tu as 10 kilos. Et tu dois, alors dans un premier cas, je décide de répartir le 10 kilos. Alors, on va dire que 10 kilos, c'est approximativement 10 petits points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? C'est 10 petits points. Alors, le premier choix que tu fais, c'est que tu les mets uniquement sur le côté oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je les ai mis comme ça. Ok? Donc ça c'est le 1, ça c'est le 2, ça c'est le 3, ça c'est le 4, ça c'est le 5, ça c'est le 7, ça c'est le 8, ça c'est le 9, ça c'est le 10. Ok? Et puis je dois calculer I, qui est la somme de MI, RI. D'accord? Donc Grégoire, qu'est-ce que tu constates? C'est que quand j'ai un cylindre et que j'ai réparti la masse sur la circonférence, ce que j'ai, hein, on le fait lentement, c'est que tous les RI valent R, le grand rayon. Et donc, ce que j'obtiens, c'est dans ce cas-là, c'est que c'est la somme des MI fois R. Alors, l'IRC, j'ai été un peu rapide. Comme toujours, là, il y a un carré. Et donc, ici, c'est R au carré. Et donc, comme la somme des MI, ça fait M, ceci, c'est M, R, carré. Ok, Grégoire, on est d'accord? Je t'écoute, mon petit Grégoire. Bon, alors maintenant, tu dis, je répartis de manière uniforme mes 10 kilos sur la totalité de la superficie. Bon, alors on va faire ça un peu facile. On va dire que on choisit, tu vois ici, on va en mettre sur trois cercles. Un cercle comme ça, à mi-distance. Un cercle comme ça. Ouais, plus ou moins, quoi. Oui, l'outil n'est pas encore tout à fait top pour pouvoir déplacer facilement le truc pour que ça soit du même sens. Je vais essayer de faire ça. Ouais, pas mal. Ok. Donc, on va les répartir plus ou moins de la même manière. Alors, tu vois tout de suite que plus tu es proche du centre, plus la circonférence est petite. Donc, l'idée, c'est que pour qu'on ait plus ou moins le même nombre de masses réparties, bah, on va en mettre par exemple un ici, un là. Et tu vois que le grand cercle, il y en a plus, donc on va mettre un peu plus de points ici. On va mettre pas 1, 2, 3, 5 là. Et 3 ici, et 2 et 1 là. Ok? Et donc tu vois qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 RI qui valent R. Et puis 1 RI qui est quasiment égal à 0. Ça va? Et puis ici, tu as 1, 2, 3 avec RI qui vaut approximativement R sur 2. Et t'en mets plein de petits. Ça s'appelle le calcul intégral. Et donc, ça veut dire que fondamentalement, ce que tu fais, c'est que tu calcules I comme une double intégrale, comme ça, sur la totalité
de ces lettres, ok? Et tu intègres cette quantité ici. M, R carré, D, S, sur une petite section du truc. Et si tu fais ce calcul, tu vas obtenir que ça. Hein, ouais, alors on va mettre ici MI comme ça. Là, RI. Ceci va être égal à M R carré sur 2. Alors, tu peux faire l'intégrale. Je ne l'ai pas fait. Parce que ce n'est pas globalement ce que je vous demande de savoir faire. Je vous demande pas de faire des intégrales sur des cercles et tout ça. Ça n'est pas partie de la matière de la physique. Donc, mais alors maintenant, avec les mains. Parce que tu n'aimes pas les intégrales et on n'a pas envie de faire plein de calculs. Avec les mains, tu vois bien que l'idée, il y a plus de petits points sur le grand cercle que sur les petits cercles. Donc fondamentalement, le rayon, comme il y en a plus sur le grand cercle, on va pas prendre une valeur intermédiaire de R. Si on prenait une valeur intermédiaire de R, par exemple R demi, grand R demi, si on faisait RI au carré, ben tu aurais R carré sur 4. Comme il y a un peu plus de grand, ben je peux te dire que quand on fait le calcul logique, c'est qu'on ne prend pas R carré, parce qu'évidemment R carré, c'est si on mettait tous les points sur la circonférence, c'est plus petit, mais ce n'est pas la moyenne, c'est R carré sur 2. Ça va? Si vous voulez voir le calcul, c'est dans le bouquin. Et donc, c'est ça. Ok? Alors, si vous regardez bien les moments d'inertie de solide, le carré, le cercle, la sphère, le cylindre plein, le cylindre creux, tout ça, ça vous est donné dans les notes de cours, sur le formulaire, dans le livre. Et donc, globalement, je vous donnerai toujours les moments d'inertie des solides qu'on va considérer. Donc, je ne vous demande jamais de calculer ça. Donc ça, je vous ai montré avec les mains comment on a l'intuition. Donc l'intuition, c'est plus on met la masse sur le côté, plus le moment d'inertie est grand pour une même masse globale. Donc, tu retiens ça dans ta petite tête, mon Grégoire et tous les autres. Plus vous étiez la masse sur le côté, plus le moment d'inertie est grand. Ça va? Vous voyez, je l'ai fait ici sans faire d'algèbre, sans faire de calcul. Et puis après, ce que je fais, c'est j'écris l'équation qui permet de voir comment on fait tourner mon disque et je vois que c'est lié au moment d'inertie. Donc plus le moment d'inertie est grand, plus il faudra un grand moment pour faire tourner l'objet. Eh oui, si toute la masse est au centre, c'est plus facile de le faire tourner que si la masse est à l'extérieur. Eh oui, plus la roue est grande, plus ça va être difficile. Donc fondamentalement, regardez bien l'équation qu'elle a. Qu'est-ce qui fait tourner la roue? Le moment des forces. Qu'est-ce qui rend difficile de faire tourner la roue? C'est le moment d'inertie. Donc plus ce moment d'inertie est compliqué. Alors regarde bien cette équation et regarde celle que je vais écrire juste à côté. L'équation de Newton, là, d sur dt de masse fois la vitesse, ouais, celle-là on va l'écrire sous forme vectorielle, est égale à la somme des forces. Et tu vois, qu'est-ce qui fait bouger l'objet? Une force. Qu'est-ce qui rend difficile de faire bouger l'objet? C'est la masse. Plus la masse est grande, plus il faudra une grosse force pour faire bouger l'objet. Eh bien, le moment d'inertie d'un objet, c'est la même chose. Plus ce moment d'inertie est grand, et tu vois que le moment d'inertie, il est lié à la masse, donc si c'est gros, oui, mais en plus, c'est lié au fait qu'il a une grande amplitude, que son rayon est important. Et donc, plus tu mets la masse loin du centre de masse, plus le faire tourner va être difficile. Tu vois ça? On va revenir la semaine prochaine avec des petites expériences pour bien voir comment ça marche. Ok? Ça va? Grégoire, est-ce que tu as capté? Good. Alors, bilou bilou, on va arriver. Youbidou. Ah, ouais. Bon, on a ça.
Ok, donc ici j'ai le petit truc. Là, j'avais expliqué le bazar. On va se mettre en version iPad complet pour que vous voyez le bazar. Bon, tout ça a l'air de fonctionner. Bilou bilou. Donc, le moment d'inertie du disque. Tout ça, vous voyez, c'est pas compliqué, compliqué. Alors, on a ici, en gros, tout le cours. Toutes les équations du cours sont mises là-dedans. Tu vois? Allez, on va nettoyer pour que ça fasse un peu propre, hein, parce que c'est pas propre ça. Regarde là. Tout ce que vous avez besoin, le résumé total de ce que qui est la matière de ce cours est là. Vous avez là la mécanique d'un corps solide. En 2D, je le reconnais, mais c'est fondamentalement tous les exercices que nous allons faire vont être en 2D. C'est pour ça que je suis en 2D. Mes moments, je les mets comme des scalaires puisque c'est l'unique composante du vecteur perpendiculaire à feuille de papier. Et regardez bien ce qui est indiqué en bas à gauche. C'est là. Tu vois ça? Ici, là, regarde ça. C'est le résumé mathématique des équations. Voyez que je suis parti de notre sainte équation de notre ami le Newton. Le sainte équation de notre ami le Newton, il dit quoi? Il dit que la dérivée temporelle de la quantité de mouvement est égale à la somme des forces pour une particule. Et puis, j'ai l'énergie cinétique quand je fais le produit scalaire par la vitesse. Et j'ai le moment cinétique, ce qui permet d'imaginer qu'est-ce qui se passe quand ça tourne, quand je fais le produit vectoriel par un bras de levier. Et c'est ces trois équations qui me donnent les trois équations de mon modèle à droite, qui me permet de décrire la position, la vitesse du centre de masse. V, c'est bien la vitesse du centre de masse. Et oméga, c'est la rotation autour du centre de masse. Et vous avez la description maintenant, le modèle mathématique, qui vous permet de faire le mouvement d'une plongeuse, d'un plongeur qui fait des pirouettes. Donc maintenant, on peut faire des trucs beaucoup plus rigolos. On peut faire des pandas qui font des pirouettes. Et c'est pour ça qu'Elio, il est content. Parce qu'Elio, il aime les pirouettes. Ok? Donc ça, c'est ce que j'avais indiqué ici. Pour faire tourner la clé, on exerce deux forces opposées qui créent un couple de forces. Et un couple de forces, c'est ce qui permet de faire tourner un objet. Ça va? Et regarde, on va encore te le montrer bien. On va le montrer bien. Si je veux faire tourner, regarde comment je le fais tourner. J'exerce, regarde, au-dessus une force qui va comme ça, en dessous une force qui va, tu vois, comme ça. Celle du bas, elle va comme ça. Celle du haut, elle va comme ça. Ouais, c'est pas évident parce que, et tu vois, pilou pilou, c'est comme ça que je fais tourner Panda. En exerçant deux forces par rapport au sommet et en bas, dans le sens opposé. C'est ce qu'on appelle un couple. C'est comme ça que tu fais tourner une pince. Alors tu vas me dire, oui, mais sur la clé, c'est pas un couple. Ouais, parce qu'il y a un point qui est fixe et qu'il n'y a qu'une seule force. Mais je peux, parce que je peux aussi attacher le panda comme ça et le faire tourner qu'avec une force au-dessus. Donc tu peux soit avoir un couple de forces au-dessus et en dessous, soit juste celle du dessus. Tu vois, tu peux le faire tourner par la queue. Bon, pas d'interprétation scabreuse là, hein? Oui, parce qu'après vous allez me dire, oui, mais la queue, tout ça. Ouais, mais quoi, la queue, tout ça. C'est une queue de chien, hein? Faut pas avoir des interprétations bizarres, hein? N'oubliez pas, hein? On est sérieux là, hein? Ok, pouch! Bon, we back to the real life. Donc tu vois comment je fais tourner le truc. Ok? Donc il faut un moment. Alors, on va arriver à la phase critique. Le calcul des moments. Et les questions qui se posent chez certains d'entre vous. Donc, on va passer à version full iPad et on va quand même passer un peu de temps pour les moments. Donc, on va faire une nouvelle page. Okay? Donc, l'idée de base, c'est tu as un objet et ça va répondre
Ah, la question, il y en avait un qui avait posé une question de David. David, David, Slezak, es-tu là? Sle David, le petit David. Bonjour David, où gâte mets-tu? Comment vas-tu? Ah, ça va, ça. Où est-ce que tu es, mon petit David? T'es à Bruxelles? Waouh, quelle commune une fois! Oh, au centre-ville? Oh, ouais, près des Marolles et tout ça! Ouais, il y a ma fille qui habite près, pas loin, là, à rue des Capucins, c'est près de la rue des Bas, passe des Balbes et tout ça. Ouais, c'est bien, là. D'ailleurs, fondamentalement, c'est un chouette quartier. Bon, évidemment, quand c'est confiné, c'est un peu petit, mais bon, on va voir. Donc, la question que tu me poses, pour moi, j'ai une question concernant l'écriture. Existe-t-il une convention qui fait tourner dans le sens écrit-il avec un signe positif ou négatif? Ça, c'est la question qui tue. Donc, l'idée de base, c'est, tu vois, tu as un objet. Donc, voilà. Voilà un objet. Comme ça. Tu attaches l'objet avec un clou. Ici. OK. Et tu essaies de faire tourner l'objet. Alors, la question, c'est, est-ce qu'il y a une convention de signes du style, tu tournes dans le sens des aiguilles d'une montre, ça tourne dans un sens, tu tournes dans le sens des aiguilles dans l'autre sens, ça tourne dans un autre sens. Est-ce qu'il y a une convention de signes? Eh bien, si tu regardes bien, j'aime pas les conventions. Parce que les conventions, c'est arbitraire. Parce que, alors, tu vas me dire, tourner dans un sens, c'est plus, et tourner dans l'autre sens, c'est moins. Oui, mais lequel est le plus et lequel est le moins? Alors, si tu regardes bien, la manière dont je fais, c'est, je dessine la rotation. C'est tellement plus simple. Donc, tu supposes. Bah oui, tu te demandes, parce que tu dis, c'est pas clair. Bon, alors, tu as le droit de choisir une convention. Tu peux faire ce que tu veux. Mais moi, les conventions, j'aime pas parce que c'est compliqué. Donc, je fais pas de convention. Ouais, là, j'ai peut-être un peu abusé sur le return du son. Parce qu'il me dit que c'est un peu trop fort. Voilà, on va un peu améliorer le son. Bon, j'aime pas les conventions. Alors, ce que je fais, c'est je fais un petit dessin. Donc, je suppose, par exemple, que tu veux faire tourner vers le dessus. Donc, tu fais. Alors, regarde bien. Je fais toujours un petit dessin comme ça. D'accord? Donc ça, c'est comment je vais le faire tourner. Ouais, parce que parfois, dans certains problèmes, tu vas le faire tourner dans un sens. Ok? Bon, si tu veux le faire tourner comme ça, si tu supposes que, par exemple, il y a une force qui pousse comme ça, hein, et tu supposes qu'il y a une force qui pousse dans l'autre sens, comme ça. Donc, ça. Alors, tu vois, ça. Tu t'imagines, tu vois le truc là, c'est le compteur du nombre de voix dans l'état de Pennsylvanie. Tu vois ça, David? Ah, tu vois, oh, c'est pas clair. Il y a Donald qui n'est pas toujours content. Donc Donald, il voudrait que ça tourne dans le sens rouge. Donc ça, c'est la force de Donald. Et la force bleue, tu sais quoi? C'est la force de Joe. Hein? Et alors, tu vois, là, sur le dessin, on a l'impression que Joe et Donald, ils sont plus ou moins les mêmes forces. Et que ça va, on va dire, style. Ça veut dire que c'est à égalité. Mais tu sais quoi? C'est qui va gagner, tu penses? Donc là, ici, si ça monte, si ça fait ça, hein, donc là, c'est la frontière. Là. Donald is winner. Et ici, Joe is winner. Alors, qu'est-ce que tu penses? Intrinsèquement par rapport à tout ce que donne CNN, les fake news et tout ça. Est-ce que tu penses? C'est Joe qui gagne, mais pourquoi? Pourquoi? Oui, mais non, c'est sur l'exercice que je te demande. Sur l'exercice, regarde. Ah non, il n'existe pas une force plus grande. Les forces sont égales. Parce que
Joe, il a un plus grand bras de levier. Parce que je sais pas si t'as vu, hein, mais Joe, il a des longs bras. Tandis que Donald, il est plutôt un peu trapu comme ça, il a des petits bras et des petites jambes. Et donc, il a pas. Et je sais pas si t'as vu, Joe, il fait de l'exercice à mort, hein, il fait jogging total. T'as déjà vu Joe courir? À 78 ans, si je galope comme lui, quand même. À mon avis, Joe, il veut faire le marathon en 3 heures, hein. C'est une bête de course. Bon, il faut quand même qu'il exagère pas trop, hein, parce qu'il faut qu'il tienne 4 ans, hein, parce que bon, on sait jamais. Mais Joe, toi, Et donc, regarde bien. Tu regardes le sens de rotation. Tu regardes la force de Joe. Et tu vois le bras de levier comme ça. Ça, c'est grand air. Et tu vois le bras de levier de Donald. Et on va dire que ça, c'est 2R sur 3. Ça va? Et qu'est-ce que tu vois? Mais tu vois naturellement que Donald, hein, il n'est pas idiot quand même, hein. Il a tendance, sa force a tendance à faire tourner comme ça. Et tu vois tout de suite que la force de notre ami Joe le Sleepy, il a tendance à faire tourner comme ça. Tu vois ça, mon petit David? Ouais, tu le vois, tu le sens! Et donc, qu'est-ce que tu fais? Maintenant, tu dis, il y en a un qui le tourne dans le bon sens par rapport à ma flèche noire. Donc ça, c'est ce que j'ai fait sur le dessin. Je définis ici ma convention. Donc là, je décide a priori quelle est la manière dont tu fais tourner le bazar. Si j'avais. Donc, maintenant, sur base, et uniquement sur base du dessin que j'ai fait, j'écris mon équation. Et donc, je vais dire que j'ai quoi? J'ai la dérivée. Parce que si tu dis que tu écris les moments, donc tu vas avoir, pour savoir si ça tourne, voilà, j'écris que d sur dt de i oméga, i, c'est le moment d'inertie de ma barre. Alors ça, tu vas dire, oui, comment on trouve ça? Ça. Ça le gosse, tu verras la semaine prochaine. Hein. La manière dont ça tourne, telle que c'est indiqué, et qu'est-ce qui a tendance à faire tourner la barre vers la victoire de Joe, c'est évidemment la force de Joe. Attention, hein, méfie-toi, je pourrais faire l'exercice en QCM où j'inverse la force de Joe et de Donald. Parce que parfois, tu fais un truc qui a l'impact inverse de ce que tu espères. Il faut faire gaffe, hein, parce que les enseignants, quand ils font des QCM, c'est des trous du cul totaux. Hein. Et là, je ne te parle pas des enseignantes. Hein. Tu vas découvrir les QCM de derrière les fagots de ta doyenne bien-aimée. Oh, alors là, moi, je fais des trucs de trous du cul total. Mais alors là, elle. Oh, ouais, enfin bon, faut faire gaffe, parce que si elle est à l'écoute, après, je vais avoir des soucis. Déjà que Blondinet m'a dit, oui, mais Vincent! Fais gaffe quand même, c'est l'université catholique et tout ça. Bon, alors, biou biou, on va faire ça cool. Okay, donc, le bras de levier de Joe, c'est R fois F Joe. Et donc, l'autre, il tourne dans l'autre sens. Et donc, après, c'est 2R sur 3, F de Donald. Mais comme j'ai dit que Donald et Joe, ils avaient plus ou moins le même âge et qu'ils avaient plus ou moins la même force, tu as celui-là qui vaut F, celui-là qui vaut F. Notez bien, c'est-à-dire, j'ai pas mis de signe sur F Joe et F Donald. C'est les normes des fonctions. Tu regardes le petit dessin, j'ai pas mis de petite flèche. Donc c'est pas des vecteurs. C'est la longueur des forces. Okay? Donc tu vois bien que F Donald, le module de la force de Donald, fois le bras de levier de la module, ça donne un module. Ça fait tourner dans le mauvais sens pour Donald. Et ouais, ça fait tourner dans le mauvais sens pour Biden, pour Joe, mais dans le mauvais sens pour Donald. Ça fait tourner dans le sens horlogique.
Tandis qu'ici, dans le sens anti-horlogique, c'est ce que j'ai décidé était la convention positive. Ça va? En d'autres mots, vous pouvez très bien décider a priori, moi dès que j'ai un moment anti-horlogique, c'est plus, dès que j'ai un moment horlogique, c'est moins. Bah, tu peux faire l'inverse, on s'en fout, c'est question de choix. Tu sais, parfois les conventions, hein, il y a les chiites et les sunnites, les protestants et les catholiques, et les gens se sont massacrés pour ça. Ça n'a aucun intérêt les conventions, on s'en fout. Donc tu peux le faire dans un sens ou dans l'autre, si tu changes, si tu dis simplement que maintenant tu changes la convention, ben tu vas changer le signe de tous les moments, mais tu auras toujours le même résultat. Tu vois ça David? You follow me? Donc vous avez compris le truc? Alors regardez bien, dans celui-là, j'ai expliqué comment on calculait un moment. C'est le slide fondamental. C'est le slide où je vous explique, tu as une force, tu as un bras de levier, et tu dois calculer le moment. Et voyez bien, il y a deux manières de calculer le moment. D'abord, tu calcules l'angle, et puis tu fais des petits dessins. Et si vous regardez bien dans les exercices que j'ai faits, surtout celui de l'échelle, il faut faire les petits dessins. Avec les petits dessins, it's piece of cake. Donc tu vois, soit tu calcules la composante perpendiculaire de la vitesse par rapport au bras de levier, soit tu calcules la composante perpendiculaire du bras de levier par rapport à la force. Et ça donne le même résultat. Ça va? Donc voyez bien la manière dont j'ai fait le truc. J'ai dessiné une force, j'ai dessiné un bras de levier, et puis je dis ça tourne dans un certain sens. Vous allez voir que dans certains bouquins de physique et beaucoup de mes collègues, il dessine la rotation avec un vecteur qui pointe soit dans le sens du tableau, soit dans l'autre sens. Bon, vous pouvez faire ça. Mais en pratique, d'expérience, il y a quand même environ 25% d'étudiants qui sont un peu problématiques avec ces trucs-là. On appelle les handicapés psychomoteurs. Bon, vous allez me dire, nous, on a du sang. Et ces gens-là, tu leur dis, oui, vous faites la règle de la main droite. Il y a 25% qui ne vont jamais répondre à la bonne question. Tu dessines la petite flèche qui tourne. Ça, c'est garanti, tu ne vas jamais te planter. Donc, comme ce que j'ai envie, c'est que vous réussissiez tous, vous faites la petite flèche, vous ne planterez jamais. Hein? Donc, en effet, après, en fonction que ça tourne dans le sens horlogique ou pas, il y a un vecteur, tu te souviens qu'à un moment, je vous ai dit, c'est un vecteur qui pointe perpendiculairement au tableau. Et donc, après, soit il pointe dans le tableau, soit il sort du tableau. Donc, quand tu sors dans un sens ou que tu tournes dans l'autre sens, c'est soit tu pointes dans un sens ou dans l'autre. Ça va? Je vous rassure, je ne vous demanderai jamais si quand vous tournez dans le sens horlogique, l'oméga, il pointe dans le tableau ou il sort du tableau. Ça n'a absolument aucun intérêt. Et donc, je ne vous demande pas ça. Non, vous pouvez vérifier dans le bouquin la réponse. Ça va? David, on est d'accord? Alors, Pauline a une bonne question. Alors, maintenant qu'on sait que le bloc peut tourner, est-ce que quand on a un bloc, on doit tenir compte du fait qu'il peut tourner? Eh bien, Pauline, la réponse est compliquée. Ça dépend. Dans certains cas, tu peux négliger le fait que le bloc peut tourner. Dans d'autres cas, tu ne peux pas négliger. Et pour répondre à ma petite Pauline, Pauline, es-tu là? Pauline, à loi, es-tu là? Bonjour, bonjour Pauline, dis-moi comment vas-tu? Oh là là, et où est-ce que t'es confiné toi une fois? À Jean Blou! Oh, ça c'est bien Jean Blou, oui, oui, c'est bien, il y a une gare, il y a même un tunnel quelque part, près de la gare. Ouais, ouais, c'est bien. C'est une belle ville, Jean Blou. Ouais, t'es pas complètement motivé, hein? Pas trop. Mais bon, tu sais, c'est calme, mais maintenant, c'est calme partout, hein? Donc, tu dois te dire que le fait que ça soit calme, c'est bien. Bon, alors, pour Jean Blou, tu te poses des questions. Quand est-ce qu'on peut utiliser la mécanique du point? Ou bien est-ce que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, il faut le foutre à la poubelle? Ben, non, hein? Faut pas tout foutre à la poubelle. Faut juste
le foutre à la poubelle quand on ne peut plus l'appliquer. Alors je vais te donner l'exemple éternel. On va te faire un petit slide rien que pour Pauline. Regarde. Non, pas ça. Là. Nouvelle page. Voilà. Si tu as un bloc, puisque la question c'est les blocs. Ouais, on aime bien les blocs. Bon, parce que, ouais, si tu as un bloc posé comme ça et que tu pousses sur le bloc, voilà, hein, donc tu pousses sur le bloc comme ça, est-ce que on va tenir compte si le bloc va bouger ou pas? Ah, ça c'est une bonne question. Oui, parce que tu peux. Parce que fondamentalement, tu exerces une force comme ça. La masse du bloc, il exerce une force comme ça. Ça, c'est la gravité. Et la réaction, bah, il y a une réaction normale comme ça. Et puis, il y a éventuellement le frottement qui a vie comme ça. Bon, si le bloc, il n'est pas trop grand, dire que cette situation peut être approchée par un gros point comme ça, avec une force rouge comme ça, le frottement comme ça, la force bleue comme ça, et la force noire comme ça, et que le bloc il avance comme ça, ça paraît raisonnable. Tu vois le dessin. Bon, maintenant, tu supposes que tu as un truc différent. Tu as un bloc comme ça. Et tu as un grand monsieur. Ouais, tu sais, maintenant la nouvelle génération. Voilà le grand monsieur. Ouais, j'ai pas bien dessiné le grand monsieur. Je vais le refaire. Un gros monsieur. Comme ça. Voilà, voilà, voilà. Tu vois, le genre d'athlète. Hein, adepte du basket. Voilà. Et voilà l'adepte du basket. Comme ça. Ici, avec le short, le bazar. Hein, des gants en béton. On ne peut pas imaginer plus long que ça. Qui pousse. Et maintenant, tu regardes ce qui se passe là. Tu as la masse de l'objet qui est comme ça. Tu pousses comme ça. Là. Tu as le frottement qui est comme ça. Tu as la réaction qui est comme ça. Et tu sens bien que ça va tourner. Parce que fondamentalement, ce qui va se passer, c'est que le bloc, il va tourner comme ça. Et il va tomber. Parce que par rapport à son centre de masse, là, tu exerces une force ici. Et tu exerces une force là. Et donc, la tendance, c'est que ça va tourner. Et donc, oui, la tendance, c'est que parfois, il faut en tenir compte. Et donc, tu vois tout de suite que dans les exemples du début du cours, quand j'ai fait la mécanique des points, j'ai dessiné des petits carrés. C'est pas innocent. Parce que si c'est des grands rectangles verticaux, ils vont tourner. Et donc, supposer que c'est un gros point, ça marche pas. Quand je suppose que j'ai un petit obus, négliger le fait qu'il tourne, et en fait, c'est une connerie, hein, parce que globalement, il tourne l'obus. Quand vous avez la balle d'un fusil, on la fait tourner. Donc, elle est sur elle-même. Donc, en fait, dire qu'elle ne tourne pas, c'est une connerie. Mais globalement, pour un certain nombre d'applications, supposer que c'est un gros point, ça marche. Mais maintenant, il va y avoir un certain nombre d'exercices où on ne va plus faire cette hypothèse. Ça va? Alors, il faut bien regarder quand
y a un énoncé, si on suppose qu'on réduit l'objet à un gros point, ou si on considère que c'est un objet. Et en fait, en général, pour dire que l'objet n'est pas un gros point, on va parler de son inertie. Vous allez voir que maintenant, au cours prochain, quand vous allez avoir le grand Patrick, vous allez voir Patrick, il est encore plus méchant que moi, le grand Patrick, et vous allez avoir un bras, un avant-bras, on va parler du moment d'inertie du bras et de l'avant-bras. Et donc oui, on va tenir compte du fait qu'ils peuvent tourner. Ça va? Donc tu vois, Pauline, oui, dans certains cas, on peut toujours utiliser, dire que le bloc c'est un gros point. Alors l'exemple hyper classique, c'est ça, c'est ce que je vous ai montré et qu'on fera encore. C'est tu mets un bloc comme ça, en équilibre instable, sur la table. Donc ça, c'est le truc. Et donc, évidemment, il y a la gravité qui est comme ça. Et la réaction qui se pose, qui vient ici. Et ça, ça vaut mg. Normalement, si tu regardes le truc, ça ne devrait pas bouger. La somme des forces vaut 0. Mais pourtant, le truc va tourner et va tomber. Et donc, le bloc, il va tomber. Ok? Donc, oui. Dans certains cas, on peut supposer, si le bloc ne tourne pas, qu'on approche le bloc par un gros point. Mais la vraie vie, en tout cas, ce qui est plus proche de la vraie vie, c'est de dire que le bloc, il a un certain volume, il n'est pas un gros point, et que les forces ne s'appliquent pas toutes au même endroit. Et donc, il y a des moments de force. Et donc, on peut faire tourner le bloc. Ça va? En d'autres mots, Pauline, tu peux négliger le fait que le bloc tourne quand il tourne ou pas. Et donc, jusqu'à présent, j'ai fait des exercices où je savais que le bloc ne tournait pas. Mais si le bloc, il tourne, alors tu vas dire, comment est-ce que je sais si le bloc, il tourne? Bah, t'as qu'à vérifier. Ok? Ça va, Pauline? Alors, j'ai d'autres petites questions sur le chat. Ouais, ouais, alors on pourrait avoir l'effet inverse dans la même situation que celle-ci. Bah, si j'inverse les forces de Joe et de Donald, je vais obtenir l'inverse. Bon, alors il me semble que j'avais des petites questions de ma étudiante favorite là qui avait posé des questions. Le bras de... Ah ouais, ça j'ai pas encore fait. Ouais, ok, on va passer à la suite de l'histoire. Alors, comment on calcule le moment? Bon, ça j'ai fait. Donc, tu vois bien cette équation là, les enfants, c'est le truc. Pilou, pilou, on va mettre qu'un clipad. Voilà, voilà, tu vois bien l'équation. Le moment d'inertie, c'est comme la masse. Plus le moment d'inertie est difficile, plus il faut faire un grand moment pour faire tourner le solide. Plus la masse est grande, plus il faut une grande force pour faire bouger le solide. Ok. Quand ça ne bouge pas, ben on enlève les termes temporels. Et alors, il y a une petite subtilité en équilibre statique. C'est, on peut calculer les moments par rapport à n'importe quel point qu'on peut choisir. Donc, le corps solide, il ne doit pas tourner par rapport à n'importe quel point. Et ça, on va l'utiliser. Pas spécialement par rapport au centre de gravité. D'ailleurs, fondamentalement, ce que j'ai fait jusqu'à présent, j'ai toujours démontré des exemples où je fais tourner l'objet autour de son centre de gravité. Mais si vous regardez bien la clé, je la fais tourner autour d'un point qui n'est pas son centre de gravité. Donc, je ne suis pas obligé de faire tourner l'objet autour de son centre de gravité. Ok? Bon, pour la simplicité du propos, je l'ai fait tourner autour du centre de gravité, mais ce n'est pas obligatoire. Ok, alors, on va faire des petits exercices. D'abord, le déménagement. Ok, et dans le déménagement, j'ai des questions posées par Laura. Et alors, regardez bien, j'ai fait trois options. Ok, donc on va faire trois options pour calculer la somme des moments. Vous voyez, j'ai fait le dessin, j'ai mis les forces, N1
et N2 et les deux forces de gravité. J'ai mis les distances exercées par rapport au centre de la planche de M2G et les deux extrémités. Ok. Et j'ai dit la somme de N1 et N2 est égale à tous les poids. Ça, c'est évident. Et puis, j'ai calculé les moments. Et alors, Laura, elle a dit, pourquoi le bras de levier n'est pas le même entre l'option 1 et l'option 2? Alors là, j'ai peut-être été un peu vite. Regarde bien. L'option 1, c'est je calcule les moments par rapport au point rouge. L'option 2, je calcule les moments par rapport au point rouge, qui est maintenant le centre de la planche. Et l'option 3, je calcule les moments par rapport au point rouge, qui est maintenant le côté gauche de la planche. Tu peux encore choisir d'autres points si tu as envie. Tu peux choisir n'importe quel point que tu veux. Mais ces points-là sont les plus simples. Ok? Ça va? Alors, j'ai dessiné le point rouge. Donc, c'est le point par rapport à laquelle je vais calculer mes moments. Et j'ai dessiné une petite flèche rouge qui est l'indication de ce que je considère un moment positif. C'est une convention. J'ai décidé ça a priori. Ça va, Laura? Laura, es-tu là? Donc, tu vois bien, c'est une convention. Alors, j'ai dessiné trois flèches en vert. C'est les flèches qui s'appliquent sur le point rouge. Donc, si tu t'appliques sur le moment sur lequel tu tournes, tu n'as pas de bras de levier, puisque ton bras de levier vaut 0. Donc, cette force-là, il ne faut pas calculer le moment. L'idée de base, en général, c'est quand on fait de la statique, on choisit le point où il y a le maximum de force qui s'applique. Comme ça, il y a moins de moments à calculer. Tu suis ça, Laura? C'est une question intelligente. Donc, quand tu as un problème, s'il y a un endroit avec plein de force, tu choisis ce point-là. Comme ça, il y a moins de moments à calculer. Alors, tu prends le cas 1. Regarde bien. Quelle est la force qui fait tourner le truc dans le bon sens? Ben, les deux poids, les deux forces du dessus, celle-là, regarde, je vais le dessiner là. On va le faire doucement. Donc, j'ai ma planche. Je veux la faire tourner par rapport à ce point-là, comme ça. Tu vois cette force-là? T'es d'accord qu'elle va faire tourner la planche comme j'ai indiqué par la petite flèche rouge? On est d'accord, Laura? Et tu es d'accord que cette force-ci, elle a tendance à faire tourner la planche dans l'autre sens. Donc, ce moment est négatif. Ok? Tu vois ça? Alors, maintenant, tu feras l'option 2. Et tu vois que l'option 2, N1, a tendance à faire tourner la planche dans le mauvais sens. N2 a tendance à faire tourner la planche dans le bon sens et le poids de la caisse a tendance à faire tourner la planche dans le mauvais sens. L'option 3, tu vois bien que N2 a tendance à faire tourner la planche dans le bon sens et tu vois bien que la caisse et le poids de la planche ont tendance à faire tourner la planche dans le mauvais sens. Et voyez comment j'ai fait le truc? J'ai dessiné le point rouge, j'ai dessiné le sens de rotation, et puis pour chaque force, je regarde avec les mains, j'imagine la situation. T'as le droit de prendre ta latte, t'as le droit de faire un montage chez toi. Le jour de l'examen, tu peux prendre ta latte, tu peux prendre le truc, tu peux prendre une corde, tu peux prendre tout ce que tu veux, et tu regardes comment ça bouge. Et tu oublies les conventions, tu oublies les règles, tu oublies tout ça. Tu regardes physiquement, tu t'imagines dans ta salle de bain, avec ton truc de pompier et t'essayes de le tourner. Et là, je vais vous avouer un truc. Moi, les machins psychomoteurs, je ne suis pas très très chaud. Et donc, quand je suis dans ma salle de bain, que tu as le machin qui est hyper coincé là, et que tu as tes deux pinces et tu dis, maintenant, je dois le desserrer. Et qu'en plus, c'est pas visuel parce que le truc, il est mis en dessous de l'évier, etc. Et c'est là que la question se pose. Il faut tourner dans quel sens? Eh ben, je vais. Alors, on te dit, oui, c'est la règle du tire-bouchon. T'imagines que t'es en train d'ouvrir ta bouteille de vin. Oui, mais le problème, c'est que la bouteille de vin est à l'envers. Donc, tu dois te mettre à l'envers, imaginez.
Et alors, tu imagines, et c'est dur à mort. Et alors, tu te dis, oh mais, si je me trompe, je vais encore le serrer plus fort et ça va être encore plus dur pour le desserrer. Et là, t'as une grande angoisse. Et si tu vois, j'ai fait des petits dessins en 2D, tu vas jamais te tromper. Ouais, parce que la peau qui... Et le nom, alors t'es là, et puis alors tu dis, non, je me plante. Et c'est à ce moment-là que tu penses que tu as quelqu'un qui s'appelle ta femme et tu dis, ouais, viens un peu me dire dans quel sens je dois tourner ce truc de merde que j'ai en train de m'énerver à mort. Eh ouais, c'est ça la vraie vie, hein, c'est dur. Hein. Donc voilà, t'as compris le truc? Laura! Ah ouais, c'est moi qui décide ça! Et tu peux choisir celui que tu veux. Ah ouais, ça c'est une excellente question! Mais regarde dans l'option 3, regarde, on va faire... Ouh, elle est bien, Laura! Vous devez lui faire une cagnotte parce qu'elle pose des bonnes questions, Laura. Ouais. Je vais parler ton cas à Catherine Boetz, tu vas voir. Ça est bien, Laura. Ah ouais. Alors, t'as le point là. Tu veux faire tourner la planche comme ça. Et tu regardes là. Et j'applique cette force-là. M2G. Le bras de levier, c'est la distance entre le centre de rotation, le point rouge, et le point d'application de la force. Dus. Comme elle se situe à 1,5D, que la planche a une longueur 2D, donc on est bien d'accord, ça c'est D demi, donc le bras de levier c'est bien 3D demi. On est d'accord, Laura? Ah ouais, mais N2. Ah, par rapport au point rouge. Option 3, j'essaye de faire tourner par rapport au point rouge. Ouais. Bah non, j'ai M2. Ah non, N2. N2, ça, alors après, tu as l'autre force, t'as N2 qui est là. Là, ça c'est N2. N2, elle est là. Et ton bras de levier, ma petite Laura, elle, c'est ça, hein? Ah oui, hein? Ah ouais, hein? For each force, you have to do it again! C'est comme pour le décompte des voix! Pour chaque force, you have to check le bras. Hein? Donc là, la signature, tu prends la force, point d'application, tu vérifies et tu certifies. Ah ouais. Et attention, hein! Pour chaque fois que tu. Chaque fois par rapport au point rouge que j'ai choisi. Par contre, regarde bien. Parce que si tu dois recompter. Parce que tu sais, Donald, il n'est pas d'accord. Alors tu sais, le jour de l'examen, tu as fait le calcul par rapport à un point rouge. Mais tu es stressé, tu n'es pas sûr que c'est juste. Tu fais un autre point. Et c'est ce qu'on appelle le double check. Tu recomptes les voix pour être sûr que tu as gagné ou pas. Et quand tu recomptes les voix, ça doit donner le même résultat. Ouais, tu sais, ah, les petites erreurs de calcul près. Mais quand même, s'il a 20 000 voix en plus, il va pas en avoir 50 000 en moins la fois passée, hein. Bon, tu peux dire qu'ils sont un peu bourrés, les Américains, quand ils comptent. Mais quand même, hein, ils sont pas complètement bourrés. C'est quand même pas un pays complètement délirant, hein. On n'a même pas les urnes remplies dès le départ. Enfin, on sait jamais, hein, parce que c'est quand même... Amérique, c'est quand même des trucs bizarres. Ok? On est d'accord, Laura? Bon, alors! J'avais une petite... Encore une petite question. Ici, tu me dis, pourquoi il y a H et V? Ouais, alors, j'ai le coude. D'accord? Eh bien, dans le coude, tu vois, quand je suis comme ça, ben, je peux avoir deux forces. Ok? Alors regarde bien. Tu as une force où tu... horizontale. En fait, H et V, pour être plus exactement, c'est la décomposition. J'ai peut-être été un peu rapide. C'est la décomposition de la réaction au coude. Donc tu as une force qui s'applique dans le coude, qui a une composante en X et une composante en Y.
que j'ai calculé comme V, la composante verticale et la composante horizontale. A priori, la force dans le coude, tu sais pas ce que c'est. Le coude, ok. Alors tu vas me dire, pourquoi est-ce que j'ai dessiné les forces comme ça? Ben, si tu regardes bien mon avant-bras, ben, il a tendance à tourner. Et donc j'ai le poids MG, j'ai le T qui va tirer à mort, et j'ai l'intuition que le V, il est comme ça. Et si je fais le calcul, il est bien comme ça. Mais tu vas me dire, oui, mais j'ai pas votre intuition, parce que... Et si j'ai fait le dessin comme ça? Et ça, c'est une bonne question. Si j'ai fait le dessin comme ça, pilou, 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 et que j'ai dessiné le dessin comme ça, V comme ça, H comme ça, T comme ça, bon, T, a priori, il faudrait quand même être tordu pour ne pas l'imaginer correctement, mais enfin, on ne sait jamais, et MG comme ça. Est-ce que c'est grave? Ben non, c'est pas grave, docteur. C'est pas grave, docteur. Tu as fait le dessin comme ça, tu vas le résoudre, et tu vas trouver une valeur pour V qui est négative. Qu'est-ce que ça va te dire? Ça va te dire, si V est négatif, j'ai fait un mauvais dessin. C'est tout. Et donc, quand tu fais un mauvais dessin, c'est pas grave. Tu obtiens la bonne solution. À ce moment-là, tu dis, ah, j'ai fait un mauvais dessin. Est-ce que la valeur que j'ai trouvée a du sens? Et la réponse est oui. Hein. Parce que si vous regardez bien, le T tire à mort. Et donc, comme le T tire à mort, pour contrebalancer, parce qu'en fait, la vraie physique, c'est ça. Hein. La vraie physique, ouais, j'ai un peu de place là. Pilou, pilou, la vraie physique, c'est ça. Hein. C'est, tu as un T qui tire à mort, puisque j'ai fait ça. Là, ça, c'est la physique. J'ai l'effort dans le muscle, il est comme ça. Ça, c'est l'effort dans le muscle. C'est le poids ici, qui est comme ça. J'ai le F qui est comme ça. Et là, ah, j'ai pas bien dessiné là. Vincent, Vincent. Le F qui est comme ça. Ah, perlute. Le F qui est comme ça. Et le V qui est comme ceci. C'est ça la situation réelle. Donc pour soulever, donc tu vois, tu as une force immense dans ton muscle. Et donc quand tu fais l'effort comme ça, tu développes une force monstrueuse dans le muscle. Donc, porter à bout de bras un poids élevé, même si tu es positif, c'est compliqué. La force qui est exercée dans le muscle, c'est 10 fois. Ouais, c'est 10 fois la force de gravité requise par mes 5 kilos. Ça va? Et donc, porter. Hein, tu demandes au déménageur. Maintenant, vous ne portez pas le piano normalement. Vous le portez comme ça, tu sais, en pliant le bazar. Tu vois la gueule du mec, hein. Même s'il est baraqué, il va dire, ah non, c'est pas ça. Ça va? Ça va, petite Laura? Alors, j'ai fait ça. Qu'est-ce que j'avais fait encore? Ah, l'échelle, là. On va te poser une petite question. Ah, signe que t'avais pas compris. Alors regarde. Ouais, à demi synthéta là. Si, 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 c'est celui-là. Alors. Ouais. Le F, c'est le frottement. Et le F. Ouais. 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 Ma petite. Ouais, mais j'ai quand même le droit d'être un peu tricky dans la vie. Regarde, on va le faire doucement. Hein. Il y en a qui seront contents pour toi. Donc, tu obtiens 0 est égal à moins sin theta sur 2 plus sin theta. Moins mu s cos theta. Ok? On est d'accord?
Bah, sin theta moins sin theta à demi, c'est, tu sais quoi ce que ça fait? Ça fait sin theta sur 2. Et puis après, quand on passe de l'autre côté, comme il est, tu sais quoi? Eh ouais. Et puis alors, ça te fait mu s cos theta est égal à sin theta sur 2. Et donc, tu obtiens in fine 2 mu s theta est égal à sin theta sur cos theta est égal à tangent de theta. Ok? Alors, j'en profite, tant que je suis là, pour dire que beaucoup d'étudiants, parce que vous n'êtes pas toujours, vous n'aimez pas toujours l'algèbre, l'algèbre vous pose parfois des difficultés. Et parfois, vous avez des difficultés avec l'algèbre, tu dis, oui, mais c'est compliqué ce truc-là, je maîtrise pas tout à fait le truc. Et j'ai difficile. Vous bien relire l'algèbre, parce que, et voyez bien, je fais l'algèbre sans les chiffres, de manière symbolique. Et vous devez être capable de faire ça sans les chiffres. Sans les chiffres. Et vous avez l'exercice ici. Ok? Alors, ceci, ça clôture notre émission en direct des studios internationaux de UC Louvain, sponsorisé par la campagne électorale de Donald et de Joe, simultanément, avec le support actif de notre ami Elio. Bon, je vous remercie tous pour votre attention. Vous n'oubliez pas de mettre plein de petites questions pour le cours suivant. Vous pouvez poser plein de questions. Et je rappelle que quand vous posez plein de questions, vous avez la possibilité de gagner un bonus spécial pour le cours d'anatomie, valorisable aussi sur le cours de chimie, valorisable aussi sur le cours de natation. Et je vous rappelle au passage que le cours de mécanique est un prérequis pour le cours pratique de natation. Alors, ne me demandez pas pourquoi, c'est la subtilité du décret Marcoux. Bonjour les enfants, ceci était donc une émission spéciale de UC Louvain. Je vous souhaite à tous une super bonne journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure avec notre ami le castor, notre ami le petit hérisson qui n'était pas là. On va vous faire plein de trucs sympas, vous en faites pas. On arrive petit à petit à la fin du cours. On va vous faire des petites surprises. J'ai déjà la date de l'examen. Ouais, la semaine prochaine, je vous donnerai la date de l'examen. Enfin, c'est pas clair, hein? C'est pas encore exactement si on va le faire avec masque, avec Bilou Bilou. On sait pas, mais vous verrez, ça va être extrêmement sympa comme toujours. Alors, à bientôt à tous. Je pense que j'ai fait. Ouais, regardez. Qu'est-ce qu'on fera la semaine prochaine? Un tonneau avec une voiture. Barda flambardé, le retour. Donc, vous voyez, on arrivera au truc. Bon, alors vous remarquez tout de suite que normalement, pour les questions de droit de deux, je ne peux pas montrer les images du bouquin. Donc, regarde, on va enlever les images du bouquin parce que sinon, je vais avoir des problèmes avec le copyright. Donc, bilou, voilà. Non, comme ça, là, voilà. On enlève l'image du bouquin, voilà. Voilà. On en refera une jolie tout de même, comme ça, voilà. On enlève le truc, hein, pour éviter tout problème de copyright, voilà. On n'a plus l'image RIP, voilà, comme ça. Voilà. Mais vous retrouverez l'image dans les trucs, machin. Voilà, elle a disparu. Mais on va faire barda flambardé. Et vous allez voir que maintenant, la voiture, ça sera plus un gros point. Ça sera un truc avec deux roues. Et on va pouvoir faire tourner la voiture. La faire des tonneaux. Eh oui, on arrive petit à petit à des choses de plus en plus compliquées. De plus en plus difficile. Vous êtes prêts pour de nouvelles aventures. On vous retrouve la semaine prochaine. Je vous remercie à tous et à toutes pour cette magnifique cours à distance. Voilà, c'est la fin. Alors, on va clôturer le streaming. Ouais. Ouais.
alors, les modalités d'examen. Il y aura peut-être une petite évaluation en fin de quatrième sous forme de QCM à distance pour vous donner une petite idée de comment vous allez pouvoir être mangé. Et l'examen, normalement, devrait être en présentiel et sera principalement consacré, sauf surprise de dernière minute, à une question ouverte. Sauf si j'ai un peu plus de temps, alors vous aurez peut-être aussi quelques petits QCM sympathiques. Voilà. Mais globalement, l'examen aura plus ou moins la forme de tous les examens des années précédentes. Donc, des petits QCM et une question ouverte. Et ce que je voudrais insister aussi, c'est que fondamentalement, vous aurez donc normalement la possibilité d'écrire votre réponse. Ce ne sera pas uniquement des QCM. Bon, maintenant, vous savez très bien que en fonction des conditions sanitaires, tout ça peut encore évoluer. Donc, je ne peux pas encore vous promettre exactement ce qui se passe. Mais si vous regardez bien, il va rester deux cours à donner. Et donc, en effet, l'idée, c'est de pouvoir faire sur la dernière semaine un petit test à distance qui vous permettra de voir une idée où vous en êtes dans le coup. Ça va? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez encore quelques petites questions techniques,